Tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation de cartes de vœux que j'ai reçues. Donc j'en ai reçu pas mal ce matin, aujourd'hui on est le mercredi 19 janvier et j'en ai reçu aussi un petit peu avant, donc voilà. Donc ça me fait super plaisir parce que donc j'en ai envoyé au moins au moins une quarantaine de vœux. Donc beaucoup pour les scrappeuses. bien sûr dans ma famille un petit peu, mais franchement pas beaucoup par rapport à toutes les scrappeuses à qui j'en ai envoyé, donc voilà. Donc ça fait plaisir d'avoir le retour. Franchement, ça fait très plaisir. Donc alors, donc déjà j'ai reçu une carte de Séverine du 33. Sur Insta, c'est Séverine 08 07 75, je crois. Ouais, c'était ça. Donc alors, déjà, elle m'a fait un petit tamponnage sur l'enveloppe d'un petit oiseau, une petite mésange sur sa branche. Donc trop mignonne. Et ici, alors attendez, je cache l'adresse. Ouais, je cache l'adresse, ça va être facile. Là, voilà. Un tampon de houx, de branche de houx, en vert. Voilà, donc trop joli aussi. J'aime bien. Voilà. Ensuite, sa carte. Donc, une base blanche avec un petit lutin avec son cadeau. Bonne année. Et là, elle m'a mis des boules de Noël avec tout ancré. Donc, ouais, ancré un petit peu en rose. C'est sur du papier un peu, on dirait satiné. Ou alors c'est, ouais, je pense. C'est ça. Donc vraiment, ouais, très joli. Merci beaucoup. Et dedans, on a la petite lutine avec son petit cadeau aussi. Voilà, trop mignonne. Donc merci beaucoup. Et puis là, il y a une petite ATC pour compléter ma collection. Enfin, continuer, on va dire, ma collection. Alors, excusez-moi parce que j'ai la gorge qui me pique des fois. Donc toujours une patouille de fond, donc en bleu, voilà. Donc là, un petit tamponnage, un verre à cocktail, enfin un petit cocktail, voilà. Ensuite, une petite boule de Noël avec 2022 et bonne année. Donc là, c'est bonne année, Séverine, Insta 08 07 75, je sais plus ce que j'ai dit, si c'est ça, je sais plus, ouais. 5 sur 6, celle-là. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup et je pense à toi. Hein. Pour ton envoi, quand je suis en train d'y travailler dessus. Mais il me faut du temps, beaucoup de temps. Donc vraiment, merci beaucoup pour ta carte. Alors, pardon. Ensuite, j'ai reçu une petite carte de Nathalie RT du 34. Voilà. Donc, alors... Donc toute mignonne. Donc un fond, enfin une base de cartes blanches avec un papier noir avec des petits flocons dessus. Ensuite une petite tête de bambi avec des fleurs de poinsettia, des petits strass et meilleurs vœux. Voilà, trop mignonne. Comme ça. Donc ouais, il a une bonne année créative aussi, j'espère, pour toi. Voilà. Donc voilà, donc très très joli. Donc je te remercie énormément. Ça fait plaisir d'avoir le retour. Merci beaucoup. Hop. Ensuite, une carte de Dominique L, donc de Métis, du 76. Donc alors là, une base de cartes blanche avec un fond miroir rose, voilà. Une carte, enfin un papier blanc dessus embossé à froid avec des branchages et des fleurs. Et des petites fleurs roses et du satin rose avec un petit sentiment smile, sourire. Très très joli aussi. Donc en fait, ouais, très joli. Je les mets toutes, vos cartes, je les mets toutes sur mon mur. Donc, comme ça, encore une de plus, après mon mur il sera complété, voilà. Enfin force, il va être rempli. Donc du coup, donc je te remercie énormément, Dominique. Et je te fais de gros bisous. Donc voilà. Hop. Ensuite, alors, là, on a une carte de Pascal J, du 06. Alors, une jolie carte, tout en diamond painting, avec des diamants ronds, enfin une rose, donc c'est très joli.
Ouais, c'est très très joli. Donc merci pour ta réponse. Enfin, et bon, l'année a mal commencé pour toi, mais bon. J'espère que ça va aller. Je te souhaite beaucoup de courage pour ce que tu m'as dit. Voilà. Et ouais, je te fais plein de gros bisous et j'espère que ça va aller. Alors, je vous montre sa carte. Voilà. Avec des jolies. Enfin, des strass. Les ronds, j'aime bien en fait. Enfin, j'aime bien les carrés aussi, mais je trouve que les ronds, on n'a pas besoin, quand on fait du diamond painting, on n'a pas besoin de savoir la position où on va le mettre. Et en fait, le rond, ça, on le met. Ben, on le prend, on le met. Ah, voilà. Et en parlant de diamond painting, moi en ce moment je suis en train de faire de la peinture au numéro, donc pour adultes hein, bien évidemment. Mais, donc là j'ai pris un, j'en avais déjà fait un, c'était un chat, mais je trouvais que j'avais pris enfin les comment, les cases à remplir, elles étaient beaucoup trop grandes, donc ce qui fait que ça fait pas une finition super, enfin super belle quoi je trouve. Et là du coup en fait les cases elles sont plus petites. Enfin, bien sûr quand il y a plus beaucoup beaucoup de numéros à remplir. Enfin, comment dire, quand le dessin est beaucoup plus gros, ce qui fait qu'il y avait beaucoup plus de cases à remplir, et ce qui fait que les cases sont plus petites, et du coup ça rend un meilleur rendu. Voilà. J'espère que je me suis bien expliquée. Enfin, en tout cas, j'essaierai de vous le montrer quand j'aurai fini. Voilà. Enfin, en tout cas, Pascal, merci pour ta jolie carte, ta jolie rose, elle est trop belle. Donc plein de bisous. Voilà. Merci beaucoup. Ensuite, donc une carte de Carole B du 67. Donc, Carole fait son scrapathème sur YouTube, voilà, et sur, je sais pas si, Insta aussi, je crois. Ouais, il me semble, je sais plus. Voilà, donc elle fait des super trucs, elle a de l'imagination débordante, des trucs de fou, mais voilà. Donc alors, une base de cartes. Donc d'ailleurs, il faut que je te réponde. Là par contre, ouais, j'ai pas. Faut que je réponde. Donc une base de cartes blanche, satinée, avec un papier vert, enfin à pois vert. Avec des. Dessus, t'as mis, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, mais en étoile. Voilà, avec un petit empennage des bonhommes de neige qui font de la luge. Donc là, ça va donner, hein, là. Et Guti Rutsch, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais bon, voilà. Donc on fait, voilà, donc très jolie carte. Donc ouais, très 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 sympa. Donc merci beaucoup, Carole, pour ta carte de vœux. Je te réponds bientôt. Et donc, je te souhaite bon, bah, une bonne année, une bonne santé, surtout surtout la bonne santé, parce que quand on a la santé, on a tout en fait. Voilà, donc je te réponds bientôt. Je t'envoie ça rapidement. Voilà. Donc, merci encore et plein de bisous. Voilà. Hop. Et la dernière qui me vient de Christelle L du 24. Donc on n'habite pas très loin, mais on ne s'est encore pas vu. Je crois que je ne sais pas si je ne voulais pas montrer. Non, je ne voulais pas montrer, je crois pas. Autant payer, même si deux fois, c'est pas grave. Hop. Alors, une base de cartes craft. Ensuite, un papier tout ancré, un peu vintage. Parce qu'elle adore le vintage. Avec une couronne, du houx, un ruban rouge, une petite bannière 2022 avec un petit brad, des strass et bonne année. Vraiment trop, trop joli aussi, j'adore. Donc voilà. Très joli. Donc t'as reçu ma carte aussi, et santé, bonheur et tout quoi. Tout plein de bonnes choses, voilà. Donc et elle m'a fait aussi avec sa carte les tagaous. Tagaous, donc avec des chutes de papier qui est, ouais, c'est trop mignon. Donc hop, avec un petit ruban comme ça, la cheminée, vous voyez. Un petit cœur, donc là, ouais, c'est trop sympa en fait. La porte avec en dessous du papier de livre, voilà. Les fenêtres, et hop,
Tagaous fête le 9 janvier 2022. Donc voilà. Trop mignonne. Et ensuite, une ATC que je vais pouvoir mettre dans ma collection aussi. Donc Aous, Cricriscrap 24 sur Insta. C'est la 3 sur 4 et faite le 13 janvier. Voilà. Hop. Trop mignonne aussi. Donc, ouais, avec des chutes de papier. Ouais, trop mignonne. Donc, je te remercie énormément, Christelle aussi. Et je te fais plein de gros bisous. Et j'espère qu'un jour, on se verra. Parce que quand même, on n'est pas très loin. Bon, on est à, allez, 150 km. Bon, c'est quand même pas loin. Par rapport à toutes les autres où vous êtes loin. Voilà. Donc, sur ce, c'est fini, déjà. Mais bon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus ce que je dois dire. Donc je vous fais de gros bisous, donc merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces courriers, ça me fait super plaisir. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.